Cambets qui vient intercepter ce tir de Sylvain Oinen. Le bon retour défensif de Sylvain Oinen sur Cambets. Cambets qui va à l'arracher récupérer tout de même ce palais. La transversale pour Raphaël Fort qui va prendre un shoot. C'est détourné juste devant la cage de Léobertin. C'est passé à quelques centimètres de son montant gauche. Allez, Fort à nouveau. La déviation, c'est dedans. Il est dedans. Une nouvelle déviation signée Théo Sarliev. Il me semble juste devant la cage de Léo Bertin qui offre l'ouverture du score ici à l'Alp Arena en faveur des locaux. À un petit peu moins de 6 minutes de jeu. Alors que vous revoyez la première action, donc ça vient de Raphaël Fort. Une première fois, le palais va remonter à la gauche de votre écran sur le défenseur français, numéro 59, qui va également prendre un nouveau shoot. Et là, Théo Sarliev vient relever le palais. Après le. Avant le premier défenseur, à Nelson pour Brown. Et la break, un petit peu de mal là pour les gars pensés à rentrer dans la zone. On tourne un petit peu en rond. Allez, De Kock, l'appel qui est fait sur son côté droit. Et le but sur cette belle passe de De Kock. Et c'est un but marqué par Sébastien Gauthier, il me semble. Le numéro 12, très très bien servi. Hein. Vous allez revoir au ralenti cette action pour cette égalisation basque. Allez, on va vous remettre ça au ralenti. Voilà, ça part. Ça va partir d'un palais perdu dans la zone neutre. Voilà, le palais qui va être récupéré. De Kock qui va faire l'entrée en zone. L'appel de Gauthier côté droit. Il est complètement seul, Gauthier. Et De Kock qui va remettre si tout va bien. C'est un grand gaillard, ce Canadien défenseur. Il lui en faut un peu plus, il me semble, pour venir le chatouiller. Ah, et le palais qui est sorti de la zone. Kounas qui fait l'effort avec Gauthier. Ah, il est intercepté par Romain Gutiérrez qui va s'envoler. Et le but de Romain Gutiérrez sur cette passe interceptée juste à la ligne bleue qui vient tromper Léo Bertin et offrir une nouvelle fois ici à l'Alp Arena l'avantage au score. Ah, il n'y aura pas d'assistance, hein, vous allez voir, ça va arriver, c'est Yuna Kounas qui va revenir sur Gauthier, la passe de Gauthier, la transversale dans l'axe, et un petit peu mal ajusté qui profite à Gutiérrez. L'homme à Gutiérrez qui, pour les 10 dernières secondes, avec Kounas qui va prendre un shoot, c'est un très beau shoot, et le rebond, c'est repris par Poudrier, l'égalisation de l'Ormadi alors qu'il restait 6 secondes sur le tableau d'affichage. Ce rebond laissé par Jordan Cook, vous allez reprendre ceci au ralenti, le numéro 27 qui vient prendre un point ce soir. Vous allez voir sur cet engagement, le palais qui va revenir, le tir de Yuna Kounas avec Grenier avec l'embolé, Olson également pour compléter ce trio. Voilà, Olson qui est servi côté gauche. Olson qui lève la tête, qui essaye de se débarrasser de Raphaël Fort, qui est venu bien le presser dans la bande. L'embolé qui est venu en soutien face à Olson qui va récupérer. Et le but d'Olson en back-end là, qui vient offrir la victoire, les deux points pris par l'Ormadi qui réalise ce soir la meilleure opération avec la victoire cumulée de Strasbourg. De Mulhouse, pardon, et qui passe tout près de Lyon, puisque avec 40 points, il faudrait voir sur les confrontations directes. Mais voilà, il faudrait vraiment voir sur les confrontations directes si c'est l'Ormadi ou Lyon qui serait devant. Là, j'ai pas toutes les statistiques devant les yeux pour vous donner cela. Ah, Olson là qui prend une belle option pour le joueur du match. C'était, on va pas dire l'une des premières offensives, mais presque pour l'Ormadi sur cette action. Ah, vous allez revoir au ralenti, hein, l'embolé qui va venir prêter soutien. Olson, il est laissé complètement seul. Il va récupérer le palais, il n'a plus qu'à remettre sur Jordan Cook qui prend un nouveau but sur ce côté gauche.
ce soir. Alors pour l'MVP, je vous l'avais dit, je voyais Théo Sarliev d'un côté et Yuna Kunas de l'autre. Donc c'est vrai que du coup Alexander Olsson prend un bon point supplémentaire. Mais bon, je vais rester quand même sur Yuna Kunas, ce défenseur finlandais qui, je trouve, a été très solide ce soir d'une part. Et d'autre part, qui a amené pas mal d'intensité, qui a fait des bonnes relances. C'est selon mon humble avis. Attention. Allez, Rouen qui va s'imposer hein, également. Ils sont à 5 buts à 1. Et Grenoble-Bordeaux, 2-2, toujours. Ouais, c'est Léo Bertin voilà, qui est récompensé. C'est vrai qu'il fait une bonne partie. Il n'y a pas énormément de shoot cadré hein, de chaque côté. Alors que c'est la pause entre Bordeaux et Grenoble, je vous l'avais dit. Donc ça va partir en prolongation, cette histoire aussi. C'est ça. Et donc voilà, le numéro 38, Léo Bertin, récompensé pour son bon match. Et côté rapace de Gap. Et voilà, Théo Sarliev, comme je vous l'avais pronostiqué, qui logiquement, qui donne vraiment cette ouverture du score pour les rapaces de Gap, qui a sur chaque alignement amené tout ce qu'il pouvait, malgré son jeune âge. C'est un joueur en devenir, hein, toujours à suivre. Allez, voici défaite des rapaces de Gap.